Écoutez, le Cameroun, comme vous l'avez dit, est un pays frère. Nous partageons les mêmes frontières, nous partageons les mêmes cultures et nous partageons les mêmes intérêts dans la sous-région. Depuis que je suis arrivée à la tête de la transition, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller vers mon frère Paul Biya pour échanger, profiter de son expérience de chef d'État et échanger sur la situation préoccupante qui sévit en République centrafricaine. La réunion tenue en marge du sommet Afrique-Union européenne m'a donné l'occasion de rencontrer la plupart de mes pairs chefs d'État d'Afrique et d'échanger avec eux. Le président Paul Biya a tenu à me rencontrer pour s'enquérir de manière plus précise de ce qui prévaut réellement en République centrafricaine et de la manière la plus efficace pour nous aider à sortir de cette crise-là. Ça a été l'essentiel de discussion que nous venons d'avoir. C'est vrai, la crise qui prévaut en République centrafricaine a poussé beaucoup de populations à se déplacer à l'intérieur du pays, dans des sites de déplacés pour y trouver une certaine sécurité. D'autres ont préféré aller en dehors de la République centrafricaine, notamment dans les pays voisins que sont le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad. En ce qui concerne les réfugiés centrafricains au Cameroun, ils ont été accueillis avec fraternité. Mais ils sont nombreux au Cameroun. C'est un sujet de préoccupation. Nous devons faire en sorte que la paix revienne rapidement dans le pays pour permettre à tous ces enfants de la RCA qui ont dû partir de revenir et apporter leur contribution pour le relèvement du pays. Dès le début de cette crise, nous avons eu une mobilisation de la communauté internationale. Nous avons fait une évaluation. Nous nous sommes rendus compte que les réponses apportées ne sont pas suffisantes au regard des attentes et des espérances mises dans cet accompagnement que nous attendions. Nous avons pensé qu'il fallait continuer la mobilisation, le plaidoyer pour davantage d'interventions, mais surtout que les annonces qui ont été faites se réalisent en termes de décaissement pour que les populations puissent en bénéficier réellement.